Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore au courant, voilà, j'ai lancé un séminaire de formation d'une journée à Douala d'abord. Voilà, pour le 25 juillet prochain, c'est-à-dire dimanche, en deux sessions. Voilà, dimanche en deux sessions pour pouvoir manager en fonction des emplois des temps des uns et des autres. Alors, il y aura une session en matinée qui ira de 9h à 12h et une session en après-midi qui ira de 14h à 18h. Voilà. Donc, oui, c'est ça. 9h, 12h. 14h, 18h. Alors, ce séminaire, le thème du séminaire, c'est l'entrepreneuriat numérique et les crypto-monnaies. Alors, déjà, les amis, il est important de savoir, il est très important de savoir que beaucoup de nous échouons sur les investissements en ligne à cause du manque de formation, à cause du manque d'information, par ignorance en fait. Et tellement nous adorons la facilité, tellement nous trouvons lourd d'aller sur Google pour faire même une petite recherche. Parfois même on nous envoie une information, je prends un exemple. Seulement le flyer de la formation que je partage, j'envoie le flyer, c'est sur le flyer, il y a toutes les informations concernant le séminaire, mais quelqu'un va quand même te demander c'est combien, ou alors ça sera où, ou alors ça sera à quelle heure, alors que ces informations sont dans le séminaire, sont sur le flyers. Donc la personne n'a pas déjà même la volonté de lire seulement un petit document comme ça, les amis. C'est pas comme ça qu'on réussit. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui cherchent, c'est des gens qui étudient, c'est des gens qui lisent. Et c'est très important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important de faire des séminaires de formation? Pourquoi il est important de faire des formations? C'est que je comprends que certaines personnes n'ont pas parfois les mégas, certaines personnes n'ont pas le temps de regarder des vidéos, certaines personnes adorent le présentiel. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire, non, madame, je viens là-bas sur place au bureau, là, vous m'expliquez bien l'affaire, là. Parce que au téléphone, là, moi, je ne comprends rien. J'ai regardé les vidéos, je ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des cours à distance. Ils adorent le présentiel, c'est là où ça entre dans leur tête. Raison pour laquelle on s'est dit, il faut bien faire, il faut que les gens soient formés. Parce que, je peux vous dire, l'économie numérique, on parle d'entrepreneuriat numérique, c'est une aubaine pour tous. C'est une sortie pour la liberté des financiers, la liberté financière de nous, Africains. Si même les Européens qui ont déjà l'argent sont dedans, combien de fois nous, là, on se cherche encore? Et quand on voit que c'est là-bas qu'on peut avoir, c'est là-bas que le Seigneur peut peut-être nous bénir, pourquoi ne pas se donner à fond? Pourquoi ne pas se dire, je vais lire? Mais si tu ne peux donc pas lire et que toi, tu aimes le présentiel et que tu es à Douala, parce que je vais commencer le séminaire à Douala. La session de Yaoundé va suivre le mois prochain. Je vais vous communiquer la date très bientôt. Tu es à Douala, tu veux bien comprendre. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat numérique et tu veux savoir par comment commencer. Et quand tu veux commencer, tu ne veux pas accumuler les échecs. Beaucoup d'entre nous avons investi, mais beaucoup ont perdu plus qu'ils en ont gagné. Comment gagner plus que tu n'en perds? Parce que le risque, il est partout. Il peut arriver de perdre. Même le trading, la crypto-monnaie dont je vais vous parler, lors de la formation, personne ne vous dira, aucun trader ne vous dira qu'il n'a jamais perdu de l'argent. Aucun trader ne vous dira que vraiment, sur 10 trades, il a eu 10 sur 10 du 1er janvier au 31 janvier. Il y a des jours où on fait des mauvaises positions. C'est ça qu'on appelle le risque. Mais l'important ici, c'est de vous communiquer l'avantage de s'auto-gérer. L'avantage d'avoir une formation
qui va vous permettre de pouvoir analyser les marchés et de pouvoir, de savoir analyser les opportunités, de savoir dans quoi vous pouvez investir. C'est très important. Voilà pourquoi il est important d'être formé pour savoir investir. Il est important. Moi, si je suis là aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, j'ai fait une formation qu'on appelle Cash Message. Je l'ai lu pendant 2 jours. Hein. J'ai pris la peine de lire tous les PDF qui étaient dedans et de mettre en pratique. J'ai lu les livres, j'ai écouté des formations vidéo. Donc, j'ai pris la peine de m'imprégner de la chose vers laquelle je veux me lancer. Vous ne pouvez pas vouloir prendre un chemin, mais vous ne prenez pas la peine d'étudier le chemin que vous allez prendre. Vous allez toujours vous heurter parce que vous n'allez même pas voir les trous, vous n'allez pas voir les cailloux. Et c'est ça le but de cette formation-là. Vous faire comprendre qu'il est important de vous former, vous faire comprendre la valeur, vous faire comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi l'économie numérique, c'est quoi investir, comment le faire. Comment le faire en minimisant les risques? Comment entreprendre en minimisant les risques? Je vais investir dans la crypto-monnaie. Il y a beaucoup que j'ai vu, ils ont regardé 2 vidéos sur Internet. Allez, bang! Le gars est devenu trader. Il paye chaque jour, il gagne 1 fois. Dès qu'il gagne 1 fois, il est sûr qu'il est trader. Après, il paye 8 fois. Ça, c'est des traders perdants. Ça, c'est des investisseurs perdants. Donc ici, l'objectif, c'est de faire de chacun de nous des investisseurs gagnants. C'est de faire de nous des assureurs. Voilà. C'est le mot là, moi, que j'ai employé. C'est de faire de vous des assureurs sur Internet. Un assureur, c'est quelqu'un qui mise sur le bon risque. Quand il voit que tu es trop malade, regarde les assurances. Une assurance maladie. Quand on te donne une assurance maladie. Mon cher ami, tu vois, il y a un document que tu vas remplir là. Maladie de... Est-ce que tu as telle maladie? Est-ce que tu as une maladie héréditaire? Tu as une maladie... Gars, il faut que les gars se rassurent que tu ne vas pas les faire perdre plus d'argent que tu ne vas leur en faire gagner. Ils aiment qu'on verse l'argent tout au long de l'année. Tu tombes malade une fois, plus rien, ne tombe même pas malade. Mais ils veulent se rassurer que s'ils t'assurent, tu ne vas pas les faire perdre de l'argent. C'est comme ça qu'on va sur Internet. C'est comme ça qu'on va sur les plateformes. C'est comme ça qu'on va pour trader. On s'assure que voilà, on a minimisé le risque. Je suis à 30% de risque, donc j'ai 70% de chance de gagner sur cette position-ci ou celle-là. Il faut être formé pour mieux investir, pour savoir investir, pour savoir sélectionner ces plateformes. Il y a beaucoup qui sont sur Internet qui n'ont même pas de portefeuille Bitcoin. C'est bizarre, hein? Il va même te dire que, madame, c'est quoi même le perfect money? Madame, le pay là même, tu dis c'est quoi même? J'ai entendu parler de PayPal là. Le marché là fonctionne même au Cameroun. Yeah. Parce qu'ils ont la paresse d'aller chercher. Ils aiment que le professeur parte chercher pour eux, il vient de donner. Il n'y a pas de problème. Je suis allé chercher pour vous. J'ai fait une formation pour vous. Alors, je vais vous inviter, si vous avez le temps, à bien vouloir assister à la formation. Nous aurons des professionnels du domaine de la crypto-monnaie qui sont dans la crypto-monnaie depuis des années, qui vont vous partager leurs expériences, qui vont vous prodiguer leurs conseils. Donc voilà, je vais vous inviter massivement à participer à ce séminaire qui ne vaut même pas, parce que c'est une formation qui ne va même pas valoir le coût de la formation qui est de 5 000 francs CFA. Et j'ai dit, vous pouvez payer en Bitcoin, parce que oui, on parle d'entrepreneuriat numérique. Donc vous pouvez payer en Bitcoin, en Perfect Money, en payeur en PayPal d'une valeur de 15 $. Maintenant, en CFA, c'est 5 000 francs seulement pour ce que vous allez recevoir. C'est un cadeau. Trouvez du temps. Trouvez juste 2 heures de votre emploi de temps, vous qui êtes à Douala, ce 25, à l'hôtel Joannès, à Bonamoussadi. Sable Bonamoussadi, je pense que beaucoup le connaissent, c'est juste en route. Sable Bonamoussadi, hôtel Joannès, dès 9h. Si l'emploi du temps du matin ne vous arrange pas, trouvez vos 2 heures dans l'après-midi et venez dès 14h, 15h pour la formation. Prenez la peine de réserver parce que les places sont limitées. Il y a COVID, il y a la distanciation sociale qu'il faut respecter, il y a les mesures barrières qu'il faut respecter. Donc, soyez toujours, surtout munis de vos cache-nez, bien sûr, c'est important. Mais réservez votre place,
réservez votre place, c'est 5000 francs. Le numéro de dépôt, il sera en description de cette vidéo. Et il est sur le flyers, prenez la peine, partagez à vos fioles, partagez à vos prospects, partagez à ceux-là à qui vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose. Envoyez-les à ce séminaire-là pour que quand ils rentrent, ils reviendront vers vous parce qu'on leur dira, la personne qui vous a amené ici aujourd'hui, retournez vers la personne. Et maintenant, dites à la personne l'histoire dont tu me parlais même là. Je crois que maintenant, je peux bien comprendre ça. Donc, recommandez vos fioles, recommandez vos familles, recommandez vos amis qui peuvent être disponibles sur Douala ce 25 juillet 2021. Vraiment, je vous attends massivement. Mais sachez que ça sera... Mais alors, j'allais oublier. Oh là là, j'allais oublier les amis. Vous savez que moi aussi, maman bonheur, je ne suis pas juge. J'aime souvent motiver. Raison pour laquelle... Chaque fois que j'organise un événement, je tiens à faire une petite tombola pour encourager ceux-là. Si tu n'as jamais vu 25 dollars ou 1 dollar dans un portefeuille électronique, que tu saches que c'est quoi le Bitcoin. Hey, hey, j'ai les Bitcoins. Voilà, une opportunité pour toi aussi de gagner peut-être tes premiers 100 dollars, tes premiers 25 dollars Bitcoin, tes premiers 25 dollars payeurs. Qui sait quoi d'autre? Il y a des lots, il y a des cartes Visa. Je les ai nommées, baptisées, carte Visa Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'avec la carte Visa... C'est une carte Visa numérique, en fait, on dira. La carte Visa, elle te permet de faire des achats numériques. Elle te permet de payer par PayPal. Elle te permet d'acheter sur Internet. Elle te permet de faire tes courses au supermarché. Elle te permet, lorsque tu voyages, que ton compte bancaire ne soit pas forcément lié à ta carte. Juste, on te la recharge comme si on rechargeait le crédit de communication. Et tu peux l'utiliser sans risque de te faire pirater tout ton compte bancaire. Donc, elle a des avantages. Et oui, ceux-là qui seront là auront l'opportunité de gagner cette carte-là. Il y aura plusieurs cartes Visa prépayées à gagner dans la tombola. Alors, n'oubliez, ne manquez pas. Ne manquez pas. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Et oui, comme je l'ai dit, il faut être formé pour savoir investir. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je vais encore t'inviter à t'abonner. Oui, je suis Olga Mbani. N'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et être le premier à être notifié. Voilà, on va se dire à très bientôt. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.